Pourquoi lui? Et pourquoi elle? On peut se poser cette question, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Madame, mademoiselle, Ben Simon, Axel, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Anchor Anthony? Oui. Parce qu'une fois qu'on l'a choisi, on choisit pour la vie. Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Anchor Anthony et Madame Axel Ben Simon unis par le mariage. Et je pense que vos parents sont un exemple. Parce que lorsqu'on choisit, on choisit pour la vie. Alors j'ai demandé à Axel, Léa, pourquoi lui, pourquoi Anthony? Alors elle m'a dit, je vous cite, « Mais bien sûr, c'est un homme exceptionnel, bienveillant, doux, généreux, qui me fait passer avant lui sans même réfléchir. Mais mis à part ça, Anthony, c'est autre chose. » Anthony a compris que les difficultés, les épreuves, sont un tremplin pour la vie. Elles nous rendent meilleurs. Autre chose que vous avez dit, Axel, quelque chose d'incroyable. Vous avez dit, on est fiers de toutes les épreuves que Dieu nous a envoyées. Parce que ça nous a rapprochés l'un de l'autre, mais ça nous a rapprochés de Dieu lui-même, d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est un message tellement fort pour chacun d'entre nous, et bien sûr pour vous, vous le savez. Alors pourquoi lui? Parce que ça fait 8 ans que l'on grandit ensemble, je me permets de dire que l'on se grandit ensemble. Alors, la même question que j'ai posée à Anthony, pourquoi Axel? Bon, Anthony, vous savez, il m'a répondu comme un garçon, comme un homme, maintenant. Mais je la connais depuis 14 ans, depuis que j'ai 14 ans, il me dit. Alors, depuis mes 14 ans, je connais Axel. J'ai grandi avec Axel. J'ai appris avec Axel. Il n'y a pas une chose depuis 8 ans où elle n'a pas été présente, où elle ne s'est pas investie pour moi. Voilà tes mots, Anthony. Et là, ce qui est étonnant, c'est que tous les deux, vous êtes arrivés à la même conclusion, je dis en votre nom. C'est lorsque tu as vu la fin du film que tu peux dire « Mais j'ai compris pourquoi ça s'est passé comme ça !» Voilà, ce sont vos mots. Tu l'as très bien dit, c'est un honneur pour moi. Et je le prends à sa juste mesure, parce qu'effectivement, il y a tellement de rabbanim qui auraient pu célébrer cette union. Selon la loi de Moshe Bédisraël. Mais grâce à Dieu, mon cher Anthony, semble-t-il, on a gardé un contact spécial, peut-être du fait de la préparation de la bar mitzvah, avec tes parents et avec ton frère, ta sœur. Et grâce à lui aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de me retrouver aujourd'hui devant toi, devant Axel, Léa, pour ce moment tellement, tellement important dans votre vie. Areat mekudeshet li betaba'at zo kedat Moshe veYisrael.
get scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. With every star, just like a seed in a garden.